Non! Non! Et merde. Et merde. La musique qui démarre pile au moment où je me fail quand même. Yo tout le monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Real Farm. Je me suis dit que j'étais pas encore passé par le farming avec les tracteurs et du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment. Alors on m'a envoyé une clé, je vais tester ça, j'ai pas pris le volant. Je me dis est-ce que ça aurait pas été cool de prendre le volant pour le coup? Ça aurait pu être cool, dites-moi dans les commentaires si vous voulez la prochaine fois que je prenne le volant. Je pense que ça peut être sympa. Donc on va choisir la carte. J'ai eu plein de problèmes pour record, donc ça fait 10 fois que je me tape cette chanson, je n'en peux plus. Alors, attacher le poids à l'avant. Je suppose que c'est ça le poids. Ah oui, ça va, ça s'attache comme ça direct. Labourer les champs dans le temps imparti. Ouvrez le panneau des commandes du véhicule et baissez la tâche pour commencer à labourer. LB commande des véhicules. Est-ce que ça serait pas ça? Ah si, c'est ça. Il fallait juste... D'accord, ok. Non mais attendez, c'est une complexité. Oh, je vais galérer, là, je le sens. Michel, on n'est pas prêt d'arriver à bon port, hein, je te le dis. Ça va être long, mon Dieu, comme ça va être long. Ça va être si long. C'est pas possible, faut le faire à plusieurs quand tu fais un jeu comme ça. Il faut être plusieurs, il faut pas être juste tout seul. Ça fonctionne pas quand t'es tout seul. Et les éclairages, comme je disais sur Twitch, arrivent le mois prochain. Ils arrivent début du mois prochain. Donc en fait, ça sera très bien parce que j'en aurai plus besoin de tourner à la lumière naturelle parce que le soleil, ok, ça fait une lumière magnifique. Mais quand il décide de se barrer, de revenir, comme là, un coup je l'ai sur la gueule, un coup il s'en va, c'est très désagréable. Parce que ça me défonce les yeux. Et pour vous, un coup, vous me voyez clair, foncé, voilà, on ne sait plus. Et regardez, oh putain, attendez, attendez. Eh, c'est pas trop mal, hein. Il manque quelques zones, certes, mais c'est pas trop mal, hein, franchement. J'ai l'impression qu'on commence à comprendre bien, qu'on comprend le truc, hein. J'ai l'impression qu'on est pas mal, hein. Regardez-moi ça. Là, je la prends un peu plus courte. Regardez-moi ça. Bon, là, je l'ai peut-être pris un peu trop courte, effectivement. Mais, eh, on est pas mal, hein. Faut voir la gueule de Michel, il est très... oh là, les mouvements de bras, il est très sûr de lui, hein. Oui, non, oui. Oh, d'ailleurs, j'ai vu Deadpool, les copains, au cinéma. Qu'est-ce qu'il était cool. Il était cool. Par contre, j'ai hâte de voir la VO quand même, parce qu'on voit qu'il y a des phrases qui n'ont rien à voir avec... En français, ça n'avait rien à voir. Et c'était traduit genre en mode soft, comparé à la version américaine. Donc j'ai hâte de le voir en VO. Mais qu'est-ce qu'il était cool sinon, hein. Pas aussi bien, peut-être... je mettrais pas aussi bien que le 1. Je sais pas, il faut voir en VO pour voir. Mais j'ai vu tout le monde dire ah, putain, il est meilleur que le 1 et tout. Je dirais pas qu'il est meilleur que le 1 pour moi. Il est cool, mais dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Je vais pas spoiler, je vais pas donner plus d'infos. On va se mettre comme ça. Oh là, l'autre coup. Oh, j'ai envie de faire un truc RP. J'ai envie de faire un truc RP, genre avec le volant et tout, en mode première personne comme ça. Oh, ça pourrait être excellent. Donc du coup, vous avez fait un bon travail, vous avez travaillé le champ, comme si c'était le vôtre, à vous la récompense. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, je sais pas, c'est chiant. Bonus, yeah. Sauvegarde en cours. Eh bien, tout a été à merveille. J'ai une autre tâche pour vous sur mon tableau des tâches. Acceptez-le avant que je... Ok, d'accord, ça marche, j'y vais. Regardez-moi ça. Le professionnalisme. Et hop là, on dirait que Kiki a fait ça toute sa vie. Hein. Regardez-moi ça. Rendez-vous dans le champ. J'arrive. Alors, cultiver dans le champ, imparti. Dans le temps imparti. Non, dans le champ. Dans le temps imparti, voilà. Ouvrez le panneau des commandes du véhicule et déployez d'abord le cultivateur. Ok, je déploie. Je déploie. Attention. Oh là là, ça va donner. Vous êtes prêts? Attention. C'est le moment. C'est parce que... Ça cultive, là? Y a rien du tout, vous vous foutez de ma gueule? Ah, là. Mettre l'outil en marche. Ça y est, ça a fonctionné. Ah, on sent qu'on est ralenti quand même. On cultive. Apprendre à cultiver. Ah, je cultive totalement en biais, mais je cultive. Ah. On peut faire des dessins. Est-ce qu'on ferait pas des dessins pour le prochain épisode? Est-ce qu'on ferait pas des... j'allais dire des horcruxes, c'est n'importe quoi. On sent que je connais trop Harry Potter. Des... merde. Des... c'est pas des horcruxes, c'est des... Ah voilà, il y a tout le monde qui est en train de le crier derrière l'écran, je vous entends, mais en fait c'est tellement flou que j'arrive pas à comprendre, c'est trop étouffé la voix. Vous dites quoi? Des... Ah, j'ai plus le nom. Eh ben voilà, j'ai plus le nom, bah voilà, bah de toute façon ça va s'afficher, je suis sûre que j'ai déjà affiché au montage. Hein Kiki?
T'étais tapé sur internet pour aller voir c'était quoi le nom. Oh la musique, oh les musiques qui te mettent pour te mettre dans l'ambiance. Allez, aujourd'hui est par une journée super ensoleillée. Nous sommes avec notre tracteur en train de cultiver. Et aujourd'hui il y aura des carottes sur toutes les terres ainsi que des salades et des choux. N'hésitez pas, venez nombreux, venez, venez. Regardez Kiki en train de labourer les terres de père en fille depuis 1744. Alors, montez dans le tracteur. Eh ben, on y remonte dans ton tracteur, Michel. Alors, est-ce qu'on a... On a plus les mêmes outils, techniquement, là. Ah non, ça change, ça y est, ça change. Alors. Hop, magnifique. Regardez-moi ça. Bah là, c'est le professionnalisme, regardez ça. Comme si j'avais fait ça toute ma vie. Non, c'est pas par là. Au moment où je dis ça, tu vois. Oh. Bon, ça va, quand même. On est pas mal aidé, hein. Il y a quand même un espèce d'aimant qui s'attire automatiquement. Alors, rendez-vous dans le champ. Eh ben, on y va dans ton champ. On va commencer par là pour pas... Hop. Semer le champ dans le temps imparti. Ouvrez le panneau de commande. Bon, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Hein. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Ah bah là, on est bon, je crois. Ah, non, attendez. La tâche sera baissée. Baissez la tâche. Ok. Oh là, on le voit. On voit l'interaction qui se crée. C'est le parti. Oh, ok. D'accord. Donc en fait, là, je suis en train de semer. D'accord. Donc j'étais en train de cultiver tout à l'heure. Maintenant, je suis en train de semer. Donc si je ne dis pas de conneries, techniquement, là, c'est maintenant que je remets du maïs, de la carotte et tout ce que tu veux. Enfin, là, en l'occurrence, je pense que je dois être en train de remettre... je sais pas. Ça m'étonnerait que je suis en train de mettre des carottes. Hein. Ça m'étonnerait que je suis en train de planter des petites carottes, là, tout derrière. Tu vois, t'imagines, tu vois tout un champ de petites carottes derrière toi qui se plantent. Bon, alors, le mec, quand il va recultiver ça, c'est-à-dire moi, ça va être la grosse merde, clairement. Mais bon, j'ai envie de te dire, ça passe. Ça passe. C'est pas si dégueulasse que ça en soi. Regarde, on va faire ça comme ça, propre. On en met un petit peu sur le... Un petit peu sur le jardin. Le truc qui a rien à foutre. On en met à l'extérieur de notre zone. J'ai envie de te dire, Michel, c'est pas très grave. Cette vidéo sort pendant l'heure du goûter. Et là, il est l'heure du goûter. Il est 16h30 quand je tourne cette vidéo. Il est 16h pour vous quand elle sort. Mais ça se change pas quand même que moi, je vais faire un petit goûter. Des bonnes céréales. Dites-moi ce que vous goûtez d'ailleurs. Putain, alors ça, j'aimerais bien savoir d'ailleurs si derrière votre écran, comme moi, pour ceux qui sont plus jeunes, qui ont 16 ans, 13 ans et tout, je sais que vous goûtez. Enfin, il y en a, ça se trouve, qui goûtent pas. Bon, dites-moi déjà si vous goûtez, voilà. Si vous faites l'heure du goûter. Et pour ceux qui ont plus de 20 ans, comme moi, est-ce que vous goûtez quand même? Est-ce que genre à 16h, 16h30, il y a votre ventre qui fait « Non mais là quand même, moi selon mes souvenirs, quand j'étais petite, il y avait un goûter. » Donc, hein? T'arrêtes de me la mettre à l'envers, la carotte, là, s'il te plaît. Parce que, voilà, il y a un goûter, quand même, à faire. Est-ce que, voilà, comme moi, vous avez plus de 20 ans, mais vous goûtez, quand même? Moi, genre, c'est hyper important. Il y a des fois où, genre, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de goûter. Mais il y a des fois, c'est hyper important. Et là, il est 16h30, et il y a mon ventre qui est en mode... ouais, mais c'est l'heure du goûter, là, quand même. Donc, si tu pouvais avoir un petit peu de céréales, ou un petit sandwich, un petit peu de charcut, un petit truc, tu vois. Voilà, dites-moi si vous avez plus de 20 ans dans les commentaires, et même si vous l'avez pas, hein. Si vous goûtez, mais surtout les plus de 20 ans, c'est ça qui m'intrigue, quoi. Et bam, regardez-moi ça. Bon, c'est totalement aimanté. Hein. Rendez-vous dans le champ, on va commencer par là, direct. Voilà, et bim. Là, on s'arrête, et là, bah du coup, je pense que ça va être ça. Mettre l'outil en marche, et... Oh putain, on va vivre un grand moment, là. Est-ce qu'il y a un truc qui est censé sortir, techniquement? Déployer le chargement. Ah oui, j'avais pas déployé. Bon. Putain, c'est pas beau, sans déconner. Oh, oh c'est beau. Regardez-moi ça. Et j'ai fait une ligne droite. Sans déconner, j'ai réussi à faire une ligne droite. C'est incroyable ce qui se passe, hein. On progresse, hein. Attendez. Attendez. Là, faut reculer. On progresse, les amis. Sans déconner, il y a un progrès assez incroyable. A few moments later. Non! Non! Et merde. Et merde. La musique qui démarre pile au moment où je me fail quand même. Hein. Acheter ou louer. Magasin de véhicules. Bim, je l'ai. Oh, on va prendre la bagnole. On va prendre la bagnole pour y aller, ça peut être pas mal. Allez, j'imagine que c'est la nôtre, elle est là depuis le début. Yeah!
Allez, on y va. Alors par contre, c'est pas du tout. On va changer la vue. C'est pas du tout par là. Parce que si tu regardes, il faut reprendre la route. Oui, bah c'est ça, faut reprendre la route, Kiki, hein. Arrête de faire de la merde, hein. Ah, eh, sans les mains! Sans les mains, Michel! Oh putain! Oh! Ah oui, mais ils auraient pu faire un effort de petite modélisation parce que là, c'est quand même impressionnant. Je suis la main visible. Oh la vache. Oh, dis donc. Les graphismes. Oh putain. Attention. La patte. Oh, ça change quand même du vieux véhicule pérave qu'on avait tout à l'heure. Hein. Enfin, du tracteur, hein, je vous le dis. La sensation de vitesse est là. Hein. Hop, magasin. Oula! Oh, on a de la. Oh la vache, tout ce qu'il y a. Voiture. On peut avoir que ça? Non! Bon, bah, faut partir sur un tracteur de tout. Quoi? On a que 25 000! Vous voulez qu'on prenne quoi? Ils sont pourris, les tracteurs. Ah, mais attendez, on a que 25 000! Avoir votre propre tracteur, on a que 25 000! À moins que le truc, on n'a rien à foutre. Vous n'avez pas assez d'argent. Ah, bah, on va prendre le loyer, on va le. Bah alors, à ce compte-là, autant prendre le plus cher, non? Non, non, non. On va prendre le plus pourri au début. On va quand même choisir la couleur parce que moi, ça me fait mal. On va quand même prendre celle-là et on va le louer. Wow, regardez-moi ces jantes! J'ai. Oh, il me prend pour une conne, hein. Regardez-moi ces jantes. Oh là 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 là. D'abord, vous. Ok, je dois prendre une charrue maintenant. Super! Une charrue. Alors, on va prendre celle-là, hein, de toute façon. Et on va la. Bah, la louer aussi, hein. Génial, vous pouvez maintenant accepter les tâches de labour et utiliser votre propre équipement. Ces tâches gratuites sont intitulées Apporter votre propre équipement. Cela vous rapportera bien plus. Je vais bientôt prendre ma retraite et je suis prêt à vous vendre la ferme à un bon prix. Si vous gagnez 350 000 euros, je ferai en sorte que la banque prenne en charge l'autre moitié. Ah, oh, mais il est là mon matos! Regardez-moi ça! Attendez, on va sortir de la caisse. Eh, il se fout un peu de ma gueule le vieux, j'ai l'impression. Allez, hop là! Moi j'ai sauté de la voiture. Oh, comme c'est beau! Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Mon premier tracteur! Oh, c'est beau, hein. J'ai envie de klaxonner. Attendez, comment on klaxonne? Oh! Alors, je sais pas le mec comment il fait pour klaxonner parce qu'il ne bouge absolument pas d'un poil. Je ne bouge pas d'un poil. Incroyable. Oh là là, regardez-moi ça! Vroom, vroom! Oh, il est nickel. Ce tracteur est incroyable. Est-ce que je peux défoncer la caisse? Oh non. Rien. Un léger mouvement, c'est tout. Triton, la marque. Ok, d'accord. Je savais pas qu'il s'était lancé dans les tracteurs, mais bon. Ok, ça marche. Bon, bah nickel. Bah, les copains, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en attendant qu'elle vous aura plu. Je suis contente d'avoir mon premier tracteur. Et d'avoir fait ma première vidéo, ça y est, de farming. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. C'est là où je donne le plus d'informations, sur Twitter notamment. Quand il y a un lancement de live, peu importe, quand il n'y aura pas une vidéo ou qu'il va y avoir des modifications sur la chaîne, c'est là où je donne le maximum d'infos. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus, c'est très important, les copains. Et c'est quoi ce délire sur Instagram là? J'ai l'impression que vous n'êtes pas beaucoup. Tout comme Twitter, les copains. Vous n'êtes pas beaucoup. Attention à me suivre sur ces réseaux. Donc j'aimerais bien que. Hein, voilà, on est 44 000 sur la chaîne. Faites un petit effort quand même, notamment sur Twitter principalement. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!